Bonjour, bonsoir, bon nuit, bon appétit, bienvenue de retour sur Super Boy, et il nous reste, on va faire The End. Vous savez, c'est le chapitre, l'avant-dernier chapitre des jeux vidéo, The End. Toujours comme ça de toute façon. Bon, The End, point d'interrogation, un truc à la con. Et pour le chapitre 6 et le chapitre 7, donc le chapitre suivant, et tant mieux, vous allez voir pourquoi, il n'y a plus de bandages à récupérer. Donc là, on est tranquille avec ça, on n'a plus de warp zone ni de bandage, on n'a plus à se faire chier avec ces conneries, c'est juste terminer le niveau. Vous allez voir que c'est aussi pour une bonne raison. Allez, c'est parti, The End. Petite référence à Pokémon, bien sûr. Golf with your friends, ça se joue avec la souris, oui. Oui, désolé YouTube, on est encore là-dessus. Allez, et évidemment, c'est un niveau qui comporte que... C'est un monde qui comporte que 5 niveaux. Allez, c'est parti. The End. The Pit. Par contre, c'est des niveaux qui sont relativement longs et techniques. Ah, il y a des pics, j'avais pas vu. Mais tout est gris, c'est difficile de voir quoi que ce soit, en fait. Alors, où est-ce qu'on va... Où est-ce qu'on doit aller, en fait? Ah, là. Il y a une clé ici. J'imagine qu'après, il faut aller à gauche. Ah, la musique. La fameuse musique de The End. La fameuse. Les fameuses triades de The Mariner. Je peux pas monter là-haut, je crois pas. Alors dans le doute, on le fait à la rigue. Hein, histoire que ce soit pas une VOD qui dure 15 minutes. Donnons-nous un peu de discuter. Y'a quoi d'ailleurs là par là? Ah, salaud. Saligo. Oh, aligo, j'ai envie de manger un aligo. Ok, allez, c'est parti. Hop là. Putain, mais c'est simple. Ah ouais, non, mais après avoir fait les bandages de rapture, franchement... Franchement, ça, c'est donné. Hein. Allez, nice. Deuxième niveau. Schisme. Ah oui, le schisme. Celui-là, il est un peu complexe, si je me souviens bien. La remontée, elle est un peu chiante. Et là, il y a un saut en bas, et puis il faut remonter à... Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord. Là, il y a juste à se laisser tomber. Je crois qu'en bas, il y a un... Ah d'accord, elle est un petit peu à gauche la plateforme. Ok, 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 ça marche. Je dis oui, je dis oui. Ouais, elle est là. Là. Ok. Hop. C'est... Non, ah, c'est pas miroir. D'accord. Je vais passer par là. Oui, c'est ça, y a la clé qui est là à récupérer. Paf, et là on la libère. Non. Ah, j'ai paniqué. Putain. Non, je croyais qu'il y avait une plateforme en dessous. Putain, mais quel connard. Désolé. Excusez-moi. Non, mais encore une fois, c'est pour éviter que la VOD dure juste 5 minutes. Vous aurez compris. De toute façon, YouTube, toi, tu le sais, hein, combien de temps dure la VOD. Ok. Non. Elle est beaucoup trop épique, cette musique. Ok. Non. Ah. Vous êtes... C'est... Le chat est pendu au stream, là. Il dit plus rien, il regarde le truc. Ils sont... Yes. Ok. Là. Là. Merde. Là, ce saut, il est chiant. Hein. Première fois, j'ai eu du bol de le réussir du premier coup. Là, là, non, putain, je suis perturbé avec la course, là, putain. C'est des fois je mets la course, des fois je la mets pas, du coup, comme je manipule pas encore totalement mon mythe, bien comme il faut, voilà, je suis resté en course. Eh ben, je me foire des fois. Allez, hop. J'ai cru qu'il pourrait aller de l'autre côté. Ok, non, pas du tout. Re... Ah, re Eagle Crown. Eagle Crown. Aigle Pro. Voilà. J'ai faim, plus que Alain. J'ai faim, plus que Alain. Ok. Allez, vas-y. Tac, tac. Fais-moi ce putain de saut. T'as oublié de sauter. Ah ouais, putain, c'est vrai. Suis-je con?
Ne répondez pas, c'est une question bien entendu rhétorique. Ok, ça dégage la clé. Et je sais pas si je dois... Vas-y, on va repasser par là où on est passé au début. Voilà. Il a glissé. Oh my god, j'ai faim plus que Alain. Putain, c'est vrai que j'ai faim. Vas-y, là. Ah! Allez, putain, mais le niveau est con, quoi. Non, ça, c'est un moucheron, c'est pas le moustique. Là. Là. Là, là, là. Voilà. Si. Ah, c'est vrai que j'ai pas vérifié si j'ai fait la A+. Merde, le con. Et je crois que le premier, je l'ai pas en A+. Du coup, c'est vrai qu'il faut se presser, quand même. J'avais oublié. J'avais oublié. J'ai mon manger qui est en route. Ah. Oh, le beau jeu. Toujours, hein, toujours. Le beau jeu suivi de l'erreur de débutant. Là. Ok. Ok. Tac. Mais putain de merde! J'ai envie d'un gros burger. Ah putain, ouais. Bon burger. Comme disent les Québécois. Le burger. Le burger. Un hamburger. Il faut... Je peux, en fait, tout simplement, hein, faire full gauche. Hein. J'ai pas... À chaque fois, je panique, mais pas du tout. C'est comme je vois pas exactement où est-ce que je vais, je panique. Non, mais je t'en supplie, saute quand même au bout d'un moment. Ça va se voir, là. Là, 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 là. Voilà, full gauche, ça passe. Ah putain! Allez, par contre, la suite, c'est pas ça passe. C'est lui qui arrive, un antisocial de Burger & Co. Je connais pas. Ouh! Ah! Nous, on a pas ça, ici. Burger & Co. Enfin, nous, on a pas ça. Moi, j'ai pas ça. Ah, mais à force, il y a trop de Québécois qui regardent ma chaîne, du coup, je sais pas. Ce qui vient d'où? Chaque fois je le confonds. Je crois que... Non, Eagle Claw est France. Je sais pas. Finalement, ça. Allez, vas-y, paf. Là. Beaucoup de monde te dirait que les meilleurs burgers de Montpellier. Ah, Montpellier. Sud. C'est le sud. Eh ben, je connais pas. En même temps, Montpellier, j'ai... Pas beaucoup de fois j'y ai foutu les pieds dans ma vie. Ok. Ah oh, putain mais... Comment je fais pour mongoliser autant sur un niveau aussi con? Là. Putain, mais j'ai fini les warp zones de rapture juste avant et je mongolise là-dessus. Ça y est, ça m'énerve. Ça y est, ça m'énerve. Là, là, là. Tac, 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 tac. Hop, ça c'est bon. Après, full gauche. Voilà. Saute. Saute. Stop. Saute, saute. Là. Saute, saute. Voilà. Ok. Voilà. Enfin. A plus, dis-moi que c'est A plus. Ok, c'est bon, c'est A plus. Je vais juste revenir à la carte vite fait pour voir si c'est A+, celui d'avant. Non, c'est pas A+. Ok, on le refait. Oh oui, 53, 53, sous 30. Ah, mais en même temps, on cherchait la voie, la marche à suivre. Celle-là. Oh,
Merde. Putain, j'avais fait de bons moves, quand même. Tac, 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 hop, hop. Là. Là, là, là. Ok. Ah oui, mais on était monté et tout, on avait regardé un peu tout, on avait visité, on avait dit coucou à grand-maman dans les tribunes. Voilà. Et là, on est bon. Ok, à plus. Allez, on va passer au troisième niveau. On a fait combien, là? 25, ouais, c'est 5 secondes. Echoes. Oh, je crois que c'est lui qui est chiant. Echoes. Ah ouais, lui, il est chiant. Je m'en souviens de lui. Si tu connaissais ce que je venais de chanter, c'est que tu as de très bons goûts musicaux. Ok. Alors par contre, pour le A+, là, ça risque d'être chiant, parce que c'est... C'est du timing de... Ah ! Non. C'est du timing d'ascenseur. Ok. Non! Ah, je croyais que j'étais pas dessus. Ok. Oh, ça va, ça va. C'est, en fait, c'est pas Echoes à laquelle je pensais. Je crois que c'est Omega. Omega, ça doit être le dernier, je crois. Parce que Omega, je crois que c'est le plus long. Il est super long, super technique. Oh non. Oh! Je sais pas comment j'ai fait pour rester dessus. Tac. Ok. Ah non, putain, j'ai paniqué. J'aurais dû descendre tout de suite à droite. Est-ce que je peux directement? Non, pas du tout. Je suis obligé de passer sur le plateforme. Ah putain. Hop là. Voilà. Voilà. C'est ça l'apprentissage hein, aussi, hein, des jeux de plateforme en meurt et réessaye. Oui, parce qu'il faut tout traduire en français. Oh, je vous taquine, je vous taquine. Je vous aime, mon Québécois. Ah non, putain, j'ai paniqué. Putain, mais en fait, il est tout simple, ce niveau. Je croyais qu'il restait encore un truc à la con à faire. Tout simple, ce niveau. D'accord. Bon, en fait, j'ai pas à me presser pour... Récupère là. J'ai pas à me presser absolument, c'est... Hélas, hélas. Hélas quoi? Oh les amis! Ouais. Non mais va, et puis ya, et puis ya, la poignée, y'a de filet. Ok, c'est bon. J'ai paniqué, hélas. Ah. C'est une référence que je n'ai pas. Si c'est encore vos putains de références à reflets d'acide, merci d'arrêter de les faire parce que je les ai pas. Mec qui s'énerve tout seul. Je t'ai niqué. Ah oui, alors il faut savoir quelque chose sur ce stream, c'est que si à un moment donné vous êtes salé parce que je dis ou ça machin, il y a de très grandes chances, surtout si ce n'est pas justifié ou si c'est débile de votre part, que vous finissiez en running gag. Bisous à mes deux copains, hein, bien sûr, qui ont fini en running gag eux aussi. Hashtag... Hashtag je t'ai baisé, hashtag... j'aime pas ce jeu. Ce jeu c'est de la merde. Change de jeu. Ok. Non. Bon, d'accord. Ok, allez, paf. Bon, allez, on finit ce niveau-là. Echoes, il est simple, on le fait. Tac, tac. Tac. Alors, ici, par contre, je mongolise encore un peu. Voilà, et après, j'y vais. Faut juste attendre un petit peu, en fait. Je suis sûr que je peux y arriver, en plus. Oh, merde, on peut pas. Enfin, on peut, mais c'est chiant.
autant attendre une demi-seconde. Tchiki tchiki. Ah non, 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 pas cette chanson. T'as le moucheron qui me casse les couilles, là. Hop, voilà. Ouh. Oui. Grade à plus, nice. Let's go. Ah non, putain. Let's go. Allez, pire voisin. Gently. Ah. Gentiment. Gentiment, je t'immole. Gentiment, je... J'aime tellement pas cette chanson. Elle a absolument rien pour elle, cette chanson, en fait. Ah non, mais quel con! Allez, concentre-toi, Tixi. Arrête de faire l'idiot. Non, arrête! Voilà. Arrête. Tac, 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 tac. Là, t'attends, là, t'y vas. Voilà. Des doubles aussi, comme tout à l'heure. Je voulais qu'il s'accroche à la paroi. Il ne l'a point fait. Non, non, non. J'ai glissé. Tchiki, tchiki. Là. Tac, tac. Là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Oh, ben voilà, c'est très bien, ça. C'est parfait. Hop, on lâche le bouton de course. Oh putain, c'est chiant ça! Oh putain, c'est chiant! Elle est chiante cette. Ah bah non! Elle est pas chiante en fait! C'est bon, à plus! Allez! Omega! Eh bah voilà! Le voilà le niveau là, con! Le voilà le niveau où on va passer un peu 100 000 ans! Enfin, 100 000 ans! Pas autant qu'un Rapture Warp Zone, vous inquiétez pas! Mais voilà, c'est des sauts techniques! C'est des choses chiantes à faire! Voilà. Et c'est un niveau qui est surtout très long. Hop là, voilà. Petit saut, hop. Petit saut au jump. Ah putain, ah, ça par exemple. Ça, si c'est pas un gros saut de merde. Ah, ça passe. Ah oui, d'accord. Je croyais qu'il fallait passer par au-dessus. Ok. Ah putain. Ok. Là, là, là. Tac. Ok, donc ça va. En fait, c'est pas... C'est, il fait peur. Mais il passe. Dans mes souvenirs, c'était un petit peu plus difficile que ça, quand même. J'aurais dû me concentrer. Tac. Là, là, là. Tac, ça c'est bon. Hop. Espérons que je fasse le plus quand même, si je réussis. Ah! Là. Ah, mais ce saut! Le début, il est chiant. Hein. Lui, là, voilà. Ça, ça va, ça c'est simple, ça c'est simple. Ça c'est simple, ça c'est simple. J'ai toujours du mal à ralentir mes sauts, mais ça, ça va le faire. Tac. Je suis un peu bas. C'est bon. Et... Ok. Ah bah c'est les derniers niveaux, les amis. Hein. Mais les derniers niveaux en facile, je vous le rappelle. Hein. On est en Light World. Le Dark World, après, ça va piquer un petit peu plus les... Vous voyez. Oh. Oh, easy. Mais... D'accord, alors c'est un saut, ça je savais pas que c'était possible. D'accord. Tant mieux. Yes. Ok. Là, là. Ah putain! Allez, on l'a fait trop haut, on l'a fait trop bas. Le prochain, on espère que ça va passer. Ça va être et trop haut et trop bas. Ça va être en arrière. À gauche, à droite, en arrière. Ok.
Là, je peux le refaire. Est-ce que je l'ai maintenant ce saut-là ou pas? Ah putain. Là. Tac, tac. Ah! J'ai envie de le refaire. Du coup, j'ai envie de repasser par là à chaque fois maintenant. Mais je sais comment on fait, hein. C'est juste. Ça va. D'accord. Je vais l'avoir dans les doigts, vous inquiétez pas. Mort musculaire, bien sûr. Voilà. Yes. Paf. Ok, c'est bon. Passer cette fois. Ok. Ah putain, la descente, elle est nulle. Ah mais pourquoi je... Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je me lâche tout simplement, que je descende sans essayer de coller aux parois? Attendez, on va regarder ça parce que... À mon avis, ça peut être plus simple. Hop là. Ok. Ah, pas coller aux parois, ça, c'est difficile quand même. Non, c'est trop chiant. Ah, ok, non, c'est ça qu'il faut faire. C'est des micro-sauts, ok, juste pour se lâcher. J'ai mal au doigt. Allez. On va le faire, on va finir ce jeu de merde. Oups. Là. Là. Non. Oh. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais déjà remarqué ça. On voit les... Ah, merde. On voit les particules de notre ancienne mort si on respawn très vite. Genre là, voilà. On va tomber mon ancien moi. Donc quelque part, en fait, c'est pas un Meat Boy qui remonte dans le temps, vous voyez. En fait, il existe 50 000 Meat Boy. C'est un peu la technique des Schtroumpfs. C'est-à-dire qu'il existe 50 000 mâles et une seule femelle. La pauvre. Ou la chance, ça dépend des goûts. Non, mais putain! C'est la fameuse technique de la Schtroumpf, en fait. Le dilemme des Schtroumpfs, d'ailleurs. Ah putain, mais j'en... Ouais, faut que j'arrête d'essayer de faire ce truc-là. On va le faire à la réglo. Putain, avant, je le faisais à chaque fois, mais... Faut que j'ai le réflexe, en fait, d'aller en arrière si ça passe pas. De faire une safe strat. Donc c'est comme le dilemme des Schtroumpfs. Est-ce que vous préfériez être un Schtroumpf dans un village avec une seule Schtroumpfette? Ou la Schtroumpfette d'un village avec un seul Schtroumpf? Ou la Schtroumpfette d'un village de Schtroumpf? Ok. Hop. Putain, surtout que c'est pour gagner que dalle au niveau temps. Ah, putain. Et là, je vais y voir, il y a toutes les personnes qui sont en couple qui font « Ah, non, moi, je veux être un schtroumpf. » Et il y a toutes les personnes frustrées dans le chat qui vont dire « Ah, non, moi, je veux être la schtroumpfette. » Ok. Donc, ça ne passe pas. Hop. Hop, on ralentit la chute. Non. Non. Putain. Je sais pas par quel miracle c'est passé. Allez, vas-y. Ok. Ça se mange, une schtroumpfette? Je crois qu'il n'existe pas les schtroumpfettes dans les paquets de schtroumpf, là, les bonbons. Il y a les grands schtroumpfs et les schtroumpfs classiques. Donc, techniquement... Oh non. Faut faire un saut comme ça. Faut prendre appui sur le côté droit de la plateforme. Ok. Ok, c'est passé. Oh non, il faut pas courir. Je croyais qu'il fallait. Ok.
Yes. Non. Oui, non, oui, oui, non. Oui, 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 oui. Non, non, non. Ah, putain, j'ai pas eu le réflexe. J'étais sûr de moi sur mon timing, c'était pas bon. Oh bah, pas de golf pour moi. Ah merde! Dommage. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est bon, c'est pas ça. Allez! Ah, putain. Ah, merde! Parce que là, techniquement, on joue à Golf Ludophone à 20h30. Mon burger est arrivé. Ferme-la, tu me donnes faim. Non! J'ai regardé le chat. Ah putain! Ah ouais, vas-y, Eagle, tu vois, balance une photo de ton burger histoire de donner. De faire chier tout le monde. Et de donner faim à tout le monde. Ah! Là! Ah putain! Trop. Tixi, regarde-moi! Ouh! Qu'est-ce qui lui arrive? Je trouve faite pour remporter, s'il vous plaît. Mais les graphiques. Ah putain. Mais MIS. Mais les graphiques. Mais les graphiques en low. Pourquoi tu veux que je le mette en low? Allez, si tu vas y arriver. Oui. J'y crois. Mais en même temps, voilà, c'est. Là, c'est-à-dire que là, c'est le dernier niveau. Après, c'est le boss. Ah putain! Pas à toi, je parlais à Gwen. Ah merde. Ah pourquoi t'arrives pas à le faire runner le jeu? Merde. Oh yes! Ça passe. Ok. Ah putain! Ouais, c'est injouable. Merde. Mais pourtant, il est pas gourmand, le jeu. Tu mets tout en l'eau, c'est pas ça? T'es sûr que c'est le jeu? Je suis la tristesse. Bah ouais, grave. Attends, je me rappelle... Je croyais qu'il y avait un sol. Je croyais que c'était un sol. Je croyais que c'était un sol. Sol, do, ré, mi, fa... Sol. Vous savez que là, on passe en serious time quand je commence à me rapprocher vraiment très près de l'écran. Ah, c'est bon, c'est passé. Regarde, fuck la posture. Je tryhard. Et... Saute! Allez, vas-y. Là. Oh, putain. J'ai mal au doigt. Je suis obligé de changer de doigt. Maintenant, j'appuie avec mon majeur parce que mon index me fait trop mal à force d'avoir la main crispée sur le bouton de course. C'est sur la gâchette. Oh!
que la magie du majeur veut opérer. Ah putain. Ah mais c'est Kongwen. C'est Kongwen. Sinon, si tu le mets en Windows et pas en plein écran, et genre tu réduis la résolution et tout, ça passe pas? Bah ça va rendre le truc un peu dégueulasse, mais au moins on joue ensemble. Oui. Allez, ne cours pas. Oui. Non ! Putain, j'étais tellement pressé d'y arriver que j'ai mongolisé et au saut le plus facile du jeu, je le rate. Ah mais c'est pour faire durer le plaisir, hein, c'est pour vous que je fais ça. Évidemment. Je vois bien qu'il y en a 2-3 dans le fond qui sont ulcérés, mais en vrai, c'est pour le beau jeu. Oh, yes. Ouf. Ok. Plus de course. Okay. Ok, Omega, c'est fait. Ouh. Allez. On va battre le boss. Docteur Fœtus, je vais te défoncer la gueule. Coucou. Le bazooka en pleine face. Salut. Allez, let's go. Ah, voilà. Alors donc, voilà, le principe de ce boss-là, c'est qu'il tire des missiles. Tous les X temps, je sais plus combien, voilà. Alors, et d'arriver au bout du parcours... Ah putain, c'est vrai qu'il y a aussi le, il y a aussi le dos. Pourquoi il met 500 ans à partir, là? Oh! Alors, je sais que c'est possible de passer au-dessus des scies. Ah, putain! On va essayer. Je crois qu'il faut passer à gauche. J'avais oublié, lui. Je crois qu'il faut passer à gauche. Ah, putain! Mais faut aller relativement vite, en fait. Allez, vas-y, pêche-toi. Hop. Ok, c'était pour l'entertainment. Ok, c'est bon. Allez. Oh putain, je l'ai fait! Oh, je l'ai fait! Non, putain! C'était tellement simple! C'était tellement simple que je l'ai foiré! Hop là! Ah putain! C'était pour le beau jeu, c'est pour le beau jeu! Pour faire du réel plaisir, encore une fois! Oula. Non. Boum. Hop là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il se presse, il va tenter le record du monde. Non. Bite, j'ai paniqué. J'y arrivais pas à sauter. En même temps, ce son est relativement technique quand même. Technique. Technique. Maintenant. Ok.
Oh mais quel con. World record sur un seul niveau. Ah bah en même temps j'ai envie de te dire, il est tellement runné Meat Boy. Super Meat Boy. Que franchement... Oui, Super Meat Boy, pas Meat Boy. Meat Boy c'est la version bêta de Super Meat Boy. Il est tellement runné Meat Boy que mon gars, si t'arrives à avoir ne serait-ce qu'un world record sur un seul niveau, t'es refait. Hein. Les runners de... Parce que bon, je me suis foutu de la gueule de Yajiji et de Krukrux. Bon, Yajiji, il a pas super bien pris. Mais en vrai, les runners de Meat Boy sont juste des tarés. C'est juste l'un des jeux les plus exigeants, en fait, au niveau du speedrun. C'est monstrueux. Vous avez vu déjà comment je galère, ne serait-ce qu'à le finir, le jeu. Alors certes, on essaye de le finir à 100%, enfin à 106%. Mais quand même, quoi. C'est une tannée. Faut être fou, quoi, pour se dire, je vais runner Super Meat Boy, quoi. Parce que, en vrai, vous vous dites ça dans votre vie, vous êtes parti pour vous... pour train pendant des années, hein. Oh merde! Il fallait que j'attende un peu. Parce qu'on peut pas passer au-dessus. Olé! Oh là! Ok. Là. Alors attention. Le saut de la mort. Ok, c'est fait. Allez! Ok. Ouf. Yes. Et donc là, normalement, ce qu'il faut faire, c'est attendre ici. Ah bah non. Allez. Ah putain. J'arrive pas à sauter. Ok, c'est bon. Voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne. Est-ce que ça passe? Oui, c'est ça, c'est intangible. Ok. Mais c'est pas fini. Docteur Fœtus est mort. Tends ta gueule. C'est crétin. Oui. Voilà, évidemment, comme tout bon jeu vidéo, faut s'échapper maintenant. On va faire le même niveau à l'envers. Mais, avec quelques scies en plus. Non! Et les sauts sont un peu plus difficiles. Ah! Ah putain! Allez, vas-y. Ah! Ah! Eh, c'est Isaac! Bah, c'est Docteur Fœtus! Ça vient de là, hein! Isaac, c'est... Il y a énormément de références à plein de jeux vidéo dans Isaac. Dans Super Meat Boy aussi, d'ailleurs. Ah non, putain, j'ai paniqué! J'ai pas lu les patterns en avance. Ah! D'ailleurs, Super Meat Boy, SMB, Super Mario Bros. Il y a plein de références comme ça. Ah putain! Mais oui! Je viens de comprendre. Bah, en même temps, Binding of Isaac et Super Meat Boy, c'est le même mec qui a fait le jeu. Hein. C'est Edmund McMillan. C'est normal. Il a foutu plein de références à ses autres jeux. Genre guiche. Ah non! Les boss aussi avec l'araignée, etc. C'est son jeu où il faut être planète en planète. Enfin... Ah. Ben oui! Super Meat Boy, il y a des références à Pokémon, tout ça machin. Pareil dans Isaac. Enfin... Allez, on se concentre. On se musique.
ils vont jusqu'où? Ok. J'aille où? Ah! Ah! Ok, je savais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille. Ok. Oh putain, ça va être chiant ça. Ok, ça va, c'est... On va prendre notre temps. J'aille où? Ah! Ok. Ok, alors je crois qu'on peut, on peut finir le niveau en passant par la gauche, si je ne me trompe pas. Mais faisons-le faire. Faisons-le comme il a été designé. Hop. Voilà. Oh putain. Allez, vas-y. Allez. Yes. Oui. Bon. Non. Super Meat Boy. Voilà, là on a fait la fin normale, c'est-à-dire qu'on était en facile. Et qu'on a terminé le boss de fin. Voilà. Et pauvre écureuil. Qui est complètement défoncé. Voilà. Danny Baranowski à la musique, bien évidemment. Jeu de Edmund Macmillan. Edmund Macmillan. Before After. Ah, et là on a un mashup de toutes les musiques. Allez jouer, se profiter. Un chiot. Let's go. Larry Jr. Ah putain, le bon vieux 7-4 à la musique, ça c'est bon ça. Yes! The end! Find out in the dark world! Yes! C'était donc là on a fait le Light World. Alors on a fait le base de base du NI% juste pour finir le jeu. Là, je crois que le speedrun d'ailleurs pour finir le jeu, enfin bref, c'est quelques minutes, enfin bref. En tout cas on a fait le Light World, c'est-à-dire qu'on a fait la partie facile. Là ce qui nous fait par contre, ce qui va se passer c'est que là, évidemment, alors là, c'est Meat Boy, c'est le garçon qui devait aller sauver la princesse, Bandage Girl, hein. Eh ben, le dernier monde, comment vous dire, le monde le plus difficile, bah c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est Bandage Girl qui doit aller sauver Meat Boy. Alors, c'est juste, enfin, qui doit aller retrouver Meat Boy, c'est-à-dire qu'elle doit juste traverser les niveaux, et sauf que ces niveaux sont putain de durs, c'est le fameux Cotton Alley. Allez, et c'est une purge. Alors croyez-moi, il n'y a pas de bandage là-dedans, mais alors pour finir ça, c'est coton. Bah tiens, regardez la petite scène. Pour la prochaine fois. Voilà. Ah, Emilia Pacrette, elle est pas contente. The Cotton Alley. Avec une petite musique toute mignonne. Une petite musique pop, en plus on va entendre derrière. Mais gros niveau qui nous attend.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la prochaine fois Cotton Alley, et après on attaquera le Dark World, le passage, enfin l'équivalent difficile de tout ce qu'on a fait. Parce que oui, on était en facile. Enfin bon, YouTube, si t'as kiffé, évidemment, tu mets un pouce, sinon je te fais un doigt, je te fais plein de gros bisous, je te mets à la prochaine, ciao.